titre. L'album de DJ Arafat devient 2 ans après l'album coupé décalé le plus écouté sur Spotify. Salut, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez, bien sûr, dans le monde. L'URS premier, votre sud-ouest du foot business et de l'industrie musicale famille. D'entrée de jeu, likez cette vidéo au maximum, abonnez-vous à la page, abonnez-vous à la chaîne, tout ce que vous voulez. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification là, dès que je mets en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informé. Dans ces news, on parlera de Serge Beno, on parlera bien sûr de Iba Wano, de Ariel Chiné, et on va finir bien sûr par... Le sujet en titre, bien sûr, DJ Arafat qui bat un nouveau record. Nous vous prions, bien sûr, de suivre cette news du début jusqu'à la fin afin de toucher du doigt l'information en titre. Premier, démarrons tout de suite avec cette information de Serge Beno qui nous annonce bien sûr un EP de 4 titres. Vous voyez, Serge Beno lui le fait plus. Les choses avec de la dentelle, Serge Beno, il balance seulement les EP et les fans de Serge Beno, ils sont très très bien servis. Serge Beno n'est plus dans des histoires de 1 titre, 2 titres. 3 titres, il balance des EP de 7 titres, des EP de 4 titres, c'est de ça qu'il s'agit. Et l'annonce a été bien sûr faite sur sa page Facebook. Et oui, Ariel Chiné, le colonel Lobo Fouin, vient de boucler une collaboration avec Iba Wano. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne ici où j'annonçais bien sûr cette collaboration et ces choses faites. Le son est déjà terminé. J'espère que bon, les prochaines heures, les prochains jours, on aura le son déjà. Et a priori, ce serait un clip. Le clip serait en train d'être tourné. Vous savez, Iba Wano était en Côte d'Ivoire, bien sûr, pour le coming Côte d'Ivoire et tout et tout. Et vous voyez, Iba Wano, c'est l'homme qui fait beaucoup de featuring ces derniers temps-ci. Et je vais renchérir avec l'information qui suit en même temps. La transition est toute trouvée. La photo que vous êtes en train de voir, vous voyez, Iba Wano est encore avec Viviane Chidid, la diva sénégalaise. Certainement qu'il y a quelque chose qui est en train d'être cuisiné à ce niveau-là. Et on espère que Iba Wano, vous voyez, ces derniers temps-ci, c'est le mec à featuring. Tout le monde le sollicite à gauche, à droite pour le featuring. Iba Wano est devenu le roi du featuring en Afrique. Vous savez, Iba Wano, c'est un rappeur très, très talentueux, hyper talentueux, rappeur malien. Et il est très, très fort. Continuons cette fois-ci avec la diva de la musique ivoirienne José qui était en concert au Bénin. Un concert organisé par Blue Diamond, un concert bien sûr intitulé Trace Party et tout et tout. Et José, à la fin bien sûr de son concert, a envoyé un message à ses fans et aux Béninois bien sûr. Alors cette vidéo, c'est pour tous les Béninois et les Béninoises, tous ceux qui sont fans de la musique de José, pour le peuple béninois, pour tous ceux qui sont à côté de nous. Cette vidéo pour vous dire merci. Merci de me faire me sentir aussi bien ici. Merci pour tout cet amour que vous me donnez. Et franchement, le brunch champagne, c'était super. Désolée pour tous ceux qui n'ont pas eu Zambélément. J'ai reçu vos commissions, ne vous inquiétez pas, on remet ça. Blue Diamond a assuré. Et puis, je pense qu'il y aura une autre occasion à laquelle on va se retrouver pour assurer un show encore plus torride. Je vous fais plein de bisous et puis on est ensemble. Et oui, mes premiers, bouclons la boucle avec cette information. L'information principale, bien sûr, en titre. L'album de DJ Arafat devient 2 ans après l'album coupé décalé le plus écouté sur Spotify et tout et tout. Et vous voyez, l'album, c'est 7 millions de streaming sur cette plateforme, bien sûr, qui a été créée le 23 avril 2006. Spotify et DJ Arafat, même dans sa tombe, est en train de battre des records et tout et tout. Le Daishikan et l'album qu'il espérait, le disque d'or qu'il espérait tant, continuez pas à streamer sur les plateformes. On espère que bon, ça ira. 7 millions de streaming et le Daishikan a battu ce record, bien sûr. Et c'est à son natif, c'est à l'actif bien sûr de ceux qui ont travaillé pour l'élaboration de l'album et DJ Arafat, que la terre lui soit légère. C'est sur ces informations que nous mettons fin ces news bien sûr. Et on vous invite à liker la vidéo, à partager nos vidéos, à vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. En route pour de nouveaux défis, pour de nouvelles informations. Ciao, ciao. Bouille!
Shabbat. Mm-hmm.